Et donc bonjour à toutes et à tous, c'est Atomium, bienvenue dans cette nouvelle session Sekiro. On continue le jeu tel qu'on l'a commencé. On a eu une grande zone dans laquelle il y avait beaucoup de choses à explorer. J'ai pris un petit peu le temps, j'avoue, pour essayer de voir un peu s'il y avait des objets cachés, et finalement on a bien fait. On a récupéré plein de trucs, notamment une extension pour la santé, ce qui fait bien sûr extrêmement plaisir. Et j'ai mangé trop vite, je vais vomir mon repas dans au moins 3 minutes, ça va être génial, incroyable, restez surtout, loupez pas ça. Et donc du coup là en fait on était juste devant le forgeron, on a récupéré une clochette en fait et lui a priori sait nous dire quoi en faire. Et on a également plein de thunes, plus des composants métal et poudre noire et donc a priori peut-être des améliorations pour notre gant, sachant qu'on a aussi récupéré un outil shuriken. Bref, on a plein de trucs à tester et il grommelle. Nando, omae-san, kan ga modotte kita yo janai. Alors, texte ésotérique shinobi, un livre de secrets qui détaille diverses techniques employées par les shinobi, permet d'apprendre des compétences de l'art du shinobi. Là se retrouvent les secrets les plus enfouis de l'art des shinobi, comme les attaques aériennes et les techniques de furtivité. Les samouraïs ne pratiquent pas ces mouvements. J'ai l'impression que dans ce jeu, on n'aura pas le build tel qu'on peut le construire dans un Souls avec les différentes classes. On verra. Posséder le texte ésotérique d'un style de combat permet d'en acquérir les compétences dans le menu. Compétences de l'idole du sculpteur. Chaque ennemi vaincu rapporte de l'expérience. Dès que vous avez assez de points de compétences, vous pouvez les dépenser pour déverrouiller les compétences. Vous pouvez aussi apprendre des compétences en trouvant les objets et en battant des ennemis. Attends, ça veut dire que depuis le début, je cumule pas là? Genre là, je cumule pas pour la retraite? C'est ça qu'il est en train de me dire là? Ning ka. Oh. Shinobi Gishu wa Kiba ja to yuta ga. Ning o shikomu koto de. その牙は形を変えることができるようになる。叩き立てならば打ち砕き、素早き敵ならば仕留め撃つ。仕込んだ人具が増えるだけ敵を殺す術も増えるじゃろう。殺す相手なりの殺し方を持つ。そういうことじゃ。随分と詳しい。 J'ai mangé beaucoup trop vite. Alors, adapter tout ça, très bien. Shuriken chargé. Adapter les outils. Vous pouvez adapter les outils que j'ai envie de trouver dans le monde pour en faire des outils de prothèse. Très bien. Donc là, un outil de prothèse équipé d'une roue de shuriken coûte des emblèmes spirituels. Permet d'un seul geste d'utiliser un shuriken chargé sur la roue pour le lancer sur une cible. Donc effectivement, en fait, on n'a pas de personnage avec avec des builds et tout ça, mais par contre, c'est la prothèse qu'on va peut-être diriger dans un sens ou dans l'autre. Lancer un shuriken avec R2. Inflige des dégâts plus grands aux ennemis qui bondissent. D'accord, ok. Renier la vitalité et la posture de l'ennemi. Ah, on peut aussi avec Shuriken faire des trucs comme ça, d'accord. Donc là, ça c'est chaud. On l'a eu. Et bam. Oh, attends, mais d'accord, c'est bon, hein, je l'ai validé. Merde. J'ai fait n'importe quoi. Sokoni aru yasashi kao no hotoke-sama. Soitsu ni wa myō na. Un peu Deus Ex du Japon médiéval, quoi. Alors, les outils sont des outils de shinobi adaptés à la prothèse du shinobi, très bien, équipez-les via le menu équipement. Changer d'outil avec triangle, utiliser avec R2, très bien. Oh, c'est là que je me dis que la preview qu'on a fait, elle était tellement trop rapide. Sono
Yasashi kao no hotoke-sama wa shino hotta hotoke to wa waken ga chigau. Makoto no bushi ga orareta mono dakara na. Très bien. Kiba no katachi o fuyashita kya. Seize ningu sagasu kotta na. Norikakatta fune je shikomu koto dake wa shite yaro. Katana de moi. Très bien. Meo tsuburi. Suzu no koe o kiite yaru toi. J'ai peur qu'il nous mette une séquence de souvenirs là. Enfin, peur, façon de parler, mais. Non, mais vous vous rendez compte que la cloche, on aurait pu juste pas la prendre et avancer et rusher comme des connards, quoi. Non. Parce qu'elle était quand même un peu planquée, quoi. Bon, après, oui, on... Ben non, mais définitivement, on va fouiller de ouf tout le long, quoi. Mais alors, attends, parce que ça, si j'ai pas de conneries, c'est le truc du début, non? Alors, acquérir des compétences. Le menu acquisition est débloqué. Ah oui, c'est ça. Et en fait, on a cumulé aucun point d'XP, j'ai l'impression, depuis le début. Je crois, hein. Acquérir des compétences, ok, très bien. Donc on peut acquérir de nouvelles compétences en dépensant des points. Dans le menu, les textes ésotériques permettant d'apprendre de nouveaux styles de combat. Il y a trois types de compétences, les arts du combat, les arts martiaux, le shinobi, les compétences passives. On doit les équiper. Ah non, on doit équiper les arts du combat, tandis que les arts martiaux, le shinobi et les compétences passives sont toujours activés, d'accord. Je comprends. Alors, taille de tourbillon, par exemple. Donc, là, j'ai un point. C'est ça, en fait. Je pourrais en avoir deux. Donc, non, j'ai quand même cumulé des points. Alors, permet de contrer un coup d'estoc ennemi en écrasant la lame sous le pied, ce qui inflige de lourds dégâts de posture. Ah oui, donc, en fait, soit tu bourres les attaques, soit tu bourres les contres, si j'ai bien compris. Donc faut dire vers quoi est-ce qu'on veut aller, sauf que on n'a pas le droit d'aller... Ah oui, donc c'est vraiment au pif, quoi. Soit c'est défense, soit c'est attaque. Donc ça en gros, c'est le super contre de la mort, genre quand tu pètes le cul, quoi, que t'es trop fort. Attends. Rond, quand un coup d'estoc ennemi touche. Ouf, ça a l'air super chaud, genre c'est le timing absolu, quoi. R1, L1, Taïada, machin... Ah, je pense que je vais faire le petit joueur, mais je pense que je vais prendre les attaques. Hein. Parce qu'à mon avis, ça, c'est vraiment quand tu maîtrises le jeu et le gameplay. Mais le contre, il a l'air cramé de ouf, quoi. Donc si je comprends rien, ça, c'est passif, en fait, c'est ça? Ah non, un martial. C'est tentant, c'est tentant. Mais c'est chaud parce que c'est pas le système de parade habituel, quoi. Non, on va la faire simple. Alors, art du combat exécuté en faisant tourner son corps avant d'attaquer. Donc ça fait quoi exactement? Plusieurs ennemis d'un seul coup, ça peut être très bien. Tourbillonnant peut facilement frapper plusieurs ennemis. Infliger des dégâts en même temps, machin. Ouais, allez. Donc le prochain sera quoi? L'art déviation. Qui se lance. Elle en l'air, garde aérienne. Ah oui, mais c'est monstrueux. Et ça c'est quoi? Karma de Shinobi augmente le nombre... maximum d'emblèmes spirituels qu'on peut détenir. Les emblèmes spirituels sont des manifestations du regret. Ceux qui regrettent leurs actions viles sont hantés par de nombreux emblèmes spirituels. Un shinobi qui a beaucoup tué doit traverser la vie avec le poids physique de ses péchés. D'accord. Oh, ça a l'air chelou. Bon, on verra. Attends, je vais regarder aussi un autre truc, c'est est-ce que je peux revoyager ici? Alors, les attaques spéciales liées à certains machins, vous devez les équiper dans le menu équipement, donc c'est ce qu'on va devoir faire. Oh,
va commencer par ça. Alors, déjà outil de prothèse, on peut mettre le shuriken. Et art du combat, on met ça. Donc on avance petit à petit. Hein, ça... C'est bien parce que le jeu met longtemps à se dévoiler. Mais il est toujours intéressant dès le début en fait. C'est pas un truc où c'est nul au début et puis ça devient de mieux en mieux. L'aide divine, du coup je me demande ce que c'est. Juste si on fait voyager. Ah oui, c'est ça. Donc là on est revenu véritablement, je pense, dans un autre endroit. On est là. D'accord. On a complètement évolué ailleurs. Alors là je pense que ça va être beaucoup plus dur que ce qu'il faut. Et qu'en fait on va se faire éclater. Pour moi on est vraiment revenu au début du jeu là. Ou alors je me planche, je sais pas. Mais je le sens pas du tout. Je le sens pas du tout. Oh, la musique, la tension, tout est tellement bon là. Oh là 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 là, c'est... Trop d'amour, trop d'amour. Alors, pas d'adversaire pour le moment. Poignée de cendre, très bien. Là on a quoi? Onoshi Fukuro no Segare ka.今、幾年だ。何をおかしな教えてくれ。龍泉詣での年であろう。龍泉詣。3年前か。どういうことだ。武士殿は古い記憶と言った。何も覚えてはおらぬが。これは。 Ça défonce. Hein. Franchement, le jeu il défonce de fou. Ah, c'est magique. C'est vraiment magique. Alors je pense qu'il y a plein de trucs à fouiller. Je veux quand même regarder par là-bas parce qu'on sait jamais. Je suis allé un peu vite, mais ça se trouve là dans le... les tréfonds du truc et les choses. Bon allez. Faut pas courir, je crois. Hein. Ah par contre, vous voyez que le shinobi il est indiqué en... le shuriken il est indiqué en rouge. Est-ce qu'il y a un truc que j'ai pas lu et en fait faut que ça se charge? Ah, on peut fouiller le corps. D'accord. C'est bien fait parce qu'il répète les trucs que t'as loupé quand même. Ah, mais l'ambiance avec l'espèce de musique qui prend de la tension et tout, là tu te sens pas bien. Sens vraiment pas bien. Alors par contre du coup il y a un adversaire qui est là, celui-là on l'a vu. Alors poudre par feu soigne l'altération brûlure et augmente la résistance aux brûlures. D'accord, donc ça veut dire qu'il y aura un ennemi feu. Je sais pas pourquoi mon petit doigt me dit qu'on va tomber sur une zone qui est plus difficile que le jeu de base et qu'en fait du coup on va devoir gérer de ouf. On va voir. Alors vous noterez qu'il y a quand même 4 ennemis là-bas. Et c'est un pont où genre tu peux pas t'échapper en mode on m'a pas vu quoi. Y a pas de point d'arrivée et tout, donc on a pas les hauteurs pour nous aider à être furtifs on va dire. Les emblèmes spirituels sont requis pour activer les outils de prothèse et sont consommés à chaque utilisation de ses compétences. Ah, c'est ça du coup. D'accord, ok. Les emblèmes s'obtiennent par les ennemis battus et dans l'environnement où s'achètent aux idoles de sculpteurs. D'accord. Alors, est-ce que parce qu'il y a un cadavre il va bouger ou pas l'autre? Parce que c'est ça la vraie question aussi. Complètement me voir. Ouais. Bon, il a vu un cadavre mais il s'en fout. Tout va bien. C'est pas Hitman quoi. On me dit pourquoi pas passer dans l'eau, c'est pas une mauvaise idée hein, ceci dit, vous avez raison. Je vais d'abord aller tuer lui là pour être sûr d'être tranquille.
Ah, un cadavre. Ah, super. Ah non, ah non, non, non. Bon, il a mis du temps à le voir, mais il l'a vu quand même. Allez. Oh, il y a des ennemis de partout. Ah non. Ah non, moi je vais pas dans l'eau. Hein. Désolé, mais là je vois ça, je vais pas dans l'eau du tout. Sans trop le poisson qui casse des têtes. Ah là-bas, il y a tellement des secrets, je sais pas si vous les avez vus. Il y a des trucs qui brillent dans tous les sens. Oh là 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 là, mon dieu, mais l'exploration va me tuer dans ce jeu, c'est sûr. Elle va vous tuer aussi d'ailleurs. C'est juste une grosse carpe. Ah bah ça va alors. On va voir si la carpe elle tue. Ok. De toute façon, nous sommes tous faits d'amour. C'est ainsi qu'on voit la carpe et d'IM. Allez, salut, à la prochaine. Attends, on va se casser. On va complètement se planquer par là-bas. On se rend compte que ce sort c'est ambiance très sérieuse. Mais je suis tellement au fond, putain, c'est l'enfer. C'est... Ah! Ah! C'est quoi ça encore? Moi aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu connais le jeu où t'as des secrets dans les secrets? La carpe au trésor, bah il est très bien lui aussi. Non. Et genre tu peux acheter des trucs de ouf. Genre un fragment de masque. Un masque d'un ancien machin, une lunette est brisée en plusieurs morceaux, il semble être la partie droite, donc il y a tellement des trucs. Un abrégé sur le passage flottant, un art du combat, cet art du combat s'apprend en acquérant le texte. Déchaîne des attaques sous forme d'une danse fluide qui submerge l'ennemi dans un tourbillon de coups élégants. Oh là 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 là. Donc on doit refarmer la carpe, ouais. Oui, 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 c'est ça. T'inquiète pas, je gère. Alors je voulais faire un truc mais ça n'a pas marché. Elle a l'air vénère la carpe. Ah ah. Ah non mais elle se cache en plus. Ah saloperie. Bon alors attends. Il connaît pas nos techniques de pêche, c'est pour ça. Mais là oui, je pense qu'on fera le let's play au complet. Je suis trop hypé dans le jeu là, c'est pas possible. Alors attention. Attention. Les techniques, les vraies techniques. Ah salope. Pardon. Excusez-moi, je parle jamais comme ça, mais elle m'a surpris. Excusez-moi, désolé, je retire ce que je veux dire. Je retire ce que je veux dire, je parle pas comme ça. Ah oh, ça va, ça m'a échappé. Ah. Mais il y a des cartes de partout. Yeah. Mais il y en avait deux. Quel enfer! Mais on va jamais réussir à les choper. En fait, le truc, c'est que si on avait un arc, je dis pas, mais c'est pas le cas. Par contre, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est gruger le jeu. C'est-à-dire qu'en fait, tu te mets là. Tu te mets comme ça. Mon fils. Je vais faire comme Mufasa quand il chasse. Yeah! Et ben voilà! Et de une, farmons les cartes. Alors la deuxième. Yeah. Non. Oh je la fais. Je la fais, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. On en cherche une deuxième. Alors on va attendre qu'elle sorte vraiment. Mais moi j'étais chaud pour faire R2 en fait, pour utiliser ma capa. Hein. Le doigt me dit qu'il faut que j'aille là pour la voir. Alors. Shuriken, vous êtes prêts? C'est nul à Yesh. Ah, par contre, celle-là, elle est pour moi. Ouais, bravo! Ah, bah voilà. C'est bon. Ah la pêche. La pêche brutale.
Lance une grenade. Non. À mon avis, il fallait charger, oui, c'est pour ça. Et le shuriken, ça s'est pas bien passé. Ou alors, du coup, vous l'aurez compris, c'est vraiment une astuce de filou. Parce qu'en fait, la carte, elle n'apparaît que quand tu te mets sur ce rocher, quoi. C'est vraiment une astuce de filou. Non, ça marche pas. Le shuriken était chargé. Je pense qu'on n'a pas l'équipement adéquat pour cette pêche. Je pense vraiment. De toute façon, on pourra se téléporter et revenir au pire, hein, si jamais. On va quand même tenter un ultime saut. Alors, j'ai l'impression qu'il faut reset la scène. Donc tu fais ça. Et c'est vraiment quand tu te mets là qu'il apparaît. Hein. On a bien compris le script. C'est la VOD, on chasse la carpe. Allez, viens. Ouais, non, vous voyez, je peux pas la voir. Donc je pense que c'est pour plus tard. Peut-être qu'on pourra faire un truc de fou. Si jamais dans ce jeu, on peut attacher un jour une chaîne à notre katana et faire le meilleur jeu du monde, ça serait parfait. Très bien. Alors par exemple, on peut acheter de l'herbe divine. Un remède secret qui rend toute la vitalité. Ben non, mais ça m'intéresse pas du tout. En fait, moi, ce que je veux, c'est ça. Donc on va garder la carpe et on viendra plus tard. Allez, salut, à la prochaine. Alors, est-ce qu'il y a d'autres carpes? Parce qu'après, il y a peut-être d'autres carpes. Ah, bah oui, c'est ça. Non, tu peux pas les avoir. Hein. Je pense vraiment qu'il faut un truc, ouais. Je pense qu'on aura de quoi pêcher plus tard, mais là dans l'immédiat, c'était juste pour le montrer la première et puis salut. Bon, alors attention, parce que là, il y a tout. Là, il y a les loups, il y a. Mais quel jeu. Bref. C'est pas visé. Oh! Oh, le loup il nous a repéré et puis l'autre il a même pas couru. Eh quoi? Et qu'est-ce qu'il a fait mon chien? Le chien! Il est où, Clébard? C'était pour ça. Ah, et du coup c'est ça, voilà. Eh, salut, à la prochaine, pareil. Vite. Tout va bien. Là il y a un ennemi là. Qui arrive, non? Non, rien du tout. Très bien. Alors, nouveau ballon de Mibou. Mibou tabou. On y arrive. Alors, est-ce que du coup, vu qu'on est des oufs de la mort, on est obligé de se taper le devant du château? Oui. Alors, le problème, c'est que j'ai très envie d'aller sur le devant du château. Vous l'aurez compris. Mais. Le problème, c'est que c'était chargé d'ennemis tout à l'heure. Alors peut-être qu'on peut... Mais quel con. Peut-être qu'on peut gruger et faire une double arnaque. Il y a quand même 4 ennemis. 4 ennemis et surtout aucun moyen d'y aller facile. Ah mais non, mais c'est des loups. Ah mais ça va, si c'est des loups, c'est ok. Alors attends, comment est-ce qu'on va faire les loups? Le loup qui n'a aucun flair, bien évidemment. Ce sont les seuls chiens sans flair de toute l'histoire du chien. Oh! Monster kill. Parfait. Donc là, j'ai fait L1 et R1, qui est la capacité qu'on vient de débloquer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ce bruit? C'est incroyable. Cette IA de tous les enfers. J'ai cru entendre quelque chose, mais je suis pas sûr. Bam! J'ai réussi à rater ça! Wow! Attends, calme-toi. Ok. J'avoue, le coup d'estoc, j'étais pas prêt. On a récupéré de l'huile. J'ai pas eu le temps de lire ce que c'était par contre, donc on va attendre la prochaine pour savoir ce que c'est. Oh, je pouvais monter. Oh, je suis dégoûté. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on pourra mettre. Ah, mais je sais. Ah, mais alors, attends. Là, je vous le donne en mille. Non, mais ce jeu est trop bien fait. Le level design de jeu est trop bien fait. Donc là, je rappelle qu'on est dans un scénario bonus qu'on a eu grâce à la petite clochette. Mais on est dans le niveau du feu. Et on a des objets de feu. Et sachez-le, et c'est pas une blague,
Après, on va croiser un mob qui est juste ultra dur à tuer, mais qui est faible au feu. Et on le saura via un espionnage. C'est ce que je vous ai montré dans la preview. Donc en fait, ça veut dire que grâce à la fouille, finalement, on a accès à plus de choses. Incroyable. Allez, ça c'est GG, ça. Attends, y a pas de piège, hein, y a pas d'ennemis planqués ou quoi. Non, c'est bon. C'est GG. C'est GG. Voilà, donc idole du sculpteur, très bien. On peut se reposer. C'est quoi déjà les emblèmes? Ah oui, ça c'est pour pouvoir faire les... Ouais. Très bien. Ben écoutez, je dirais se reposer, ouais, pour le fun. Très bien. Alors, éclat de porcelaine. C'est bien parce que tout ce qui est gratuit dans le jeu, c'est de la merde. Ah là là, allez, c'est bon. Donc là, on est ok. Et on regarde. Alors, c'est rigolo, ça fait vraiment penser à Kenshin pour le coup là. J'aimerais tellement mettre la musique des Loup-Mibou là. J'ai un pote qui est fan de Kenshin, mais faut tellement qu'il joue à ce jeu là, il va adorer. Bon, alors il y a de l'ennemi un peu partout, mais. Ah ouh, casse-toi. Alors je ne sais pas ce que j'ai récupéré, mais ça avait l'air sympa. Attends, c'est moi où je me suis fait entamponner là. Oui, on se fait attaquer là. On se fait attaquer, on est pas safe. On est pas safe du tout. Alors, sucre, encore une fois. Alors, je pense que celui-là, il est un peu méchant. Non, c'est pas ça. Mais non, mais putain, mais... Mais quel mauvais joueur. Alors là, c'était l'esquive de derrière les fagots. Pile à temps. Oh, le gameplay. Mais c'est le game plaisir, quoi. C'est le game plaisir, y a pas d'autre mot. Incroyable. Incroyable. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Bon, du coup, j'ai complètement raté mon truc, mais c'est pas grave. Alors, je vais là parce que, a priori, il y avait des objets. Encore une fois, je rappelle qu'on est là aussi pour fouiller. J'ai vu un truc au loin tout à l'heure. J'ai biglé. Peut-être biglé, ouais. Je sais pas, j'étais sûr d'avoir vu un truc. Et là, il y a rien. Non. Ah ouais. Alors, il y a complètement des ennemis par là-bas. Juste. Attention, parce que là, on se fait un peu repérer. Merde! Ouah, chaud! Oh, mais il nous voit de loin, il nous voit de loin. Alors, attends, parce que là, on va pas avoir le choix. Lui, il fait mal. Il fait très mal, je pense. Porcelaine, très bien. Putain, c'est chaud. Ah, c'est l'archer qui nous voit. C'est l'archer qui nous voit. On va aller cueillir l'archer, sinon il va nous saouler, je pense. Mais je sens arriver le costaud qui va nous saouler. Ouais, il est là. Attention. Beaucoup trop d'ennemis. On va y aller petit à petit, hein. Ah bah voilà, je sais qu'il y a des objets. Là. Alors j'ai pas eu le temps de lire ce que c'était parce que je suis allé très très vite. Là, ils m'ont séché. Mais genre de ouf. Là, ils m'ont vraiment séché. Alors, je pense qu'après, on sera pas tout le temps invulnérable. Hein, que là, c'est vraiment le début du jeu qui fait qu'on est un peu safe, entre guillemets. Alors, le chien, ça va être relou.
gangbang. Compliqué. Merci Phébus, merci beaucoup à toi. Très compliqué. Très compliqué. On va résister bien sûr, hein, c'est pas le problème. J'ai fait là. Ok, bon là je me suis fait avoir. En fait j'ai essayé de faire Alain mais c'était compliqué. À mon avis là on allait beaucoup trop vite. Donc on va reprendre plus zen. Et ça devrait bien se passer ouais. Mais là c'était compliqué, là c'était compliqué. Je pense que les shurikens effectivement c'est le bon choix. Mais il y avait pas que ça qui était à revoir et à refaire. Alors le truc c'est que là tous les ennemis repopent. Par contre est-ce qu'on a gardé les objets? C'est pas sûr. Alors le truc c'est que en cas de manque... Merde, je suis allé trop vite. Putain. J'ai appuyé sur start par réflexe parce que j'étais stressé. Oh le fail. Bon alors attends. Donc là c'était le moment fail. Je me concentre un peu pour les contre-attaques. Ça a l'air de rien mais ça demande un petit peu de doigté quand même. Bon. Ah si quand même. On fouille hein, de toute façon c'est le plus important. Les vieux stratagèmes de forcer à faire du bruit. Alors là voilà, ça c'est l'archer. Donc lui, j'avoue, si on pouvait le sécher en furtif, ça serait trop bien. Ah, j'ai raté le... Alors, je pense vraiment qu'on peut s'arranger, mais... Trop d'ennemis, c'est compliqué. En fait, ouais, la parade, c'est vraiment le secret. Hein. C'est vraiment le secret. Y'a là. Donc ouais la parade c'est le secret mais c'est difficile en fait. Ce qui se passe c'est que quand tu fais ta parade au bon moment c'est ok. Mais si jamais tu te fail, tu prends tellement cher. Faut trouver une astuce. Ouais. Faut vraiment réussir à trouver des astuces pour par exemple faire en sorte que je me dis que j'arrête de faire juste ça. Et je maintiens et si ça apparaît comme ça je peux attaquer juste derrière. C'est ouais, c'est des choses à regarder après tout ça. Merde je me suis trompé de touche. A voir ouais. Ah. Et c'est pas possible. En fait, il m'a tellement surpris, je m'attendais pas à le voir là. Là, il en reste juste un ici. On va aller le cueillir comme ça. Ça. Ok, je m'attendais pas du tout à ça. Merci à TaxSilver que ça donne la chaîne. Merci beaucoup à toi. Bon, on apprend de toute façon, c'est toujours pareil. Hein. Ces jeux, c'est des jeux d'apprentissage avant tout.
Alors, tube de flamme, un canon en acier qui crache du feu, il peut être inséré dans une prothèse de shinobi pour devenir un outil de prothèse. C'est ça qu'on est venu chercher en fait. Pour le mob super vénère qui arrive après. Allez, GG. Putain, là c'est cool hein. Là c'est. Putain, ah là là, stable design de l'amour, c'est simple, efficace, et pourtant ça marche tellement bien. Ben oui, et oui. Donc vive la mission secrète. Mais ce qui est bien, c'est que c'est pas genre juste tu explores un peu et tu tombes sur un objet. C'est tu explores et bam, t'as la quête annexe de ouf quoi. Ah ouais, c'est trop bien. Alors ça, je me tournais pas. Alors j'avoue que le petit saut plus attaque, ça fait quand même son effet, hein, faut pas déconner. C'est assez merveilleux. Alors pour moi, la Dantos, on va aller jusqu'à un certain boss. Mais le son est pas trop fort depuis tout à l'heure pour le son du jeu, au fait. Très bien. Merde, attends, c'est quoi qui me voit là? Très bien. J'espère qu'il n'y a pas une espèce de vieux trophée à la con, genre... choper tous les trucs comme ça. D'accord, donc là il y a deux ennemis. Alors, j'ai envie de dire... J'ai envie d'aller d'abord là. Ah, ça sent la quête, on va devoir le protéger. Parce que j'ai pas envie de me battre contre quelqu'un qui veut pas se battre, moi. Waka-sama no shinobi janna. Oh. Kanjin na toki ni oranu tonda yaku tadazume. Iya, moshi ya. Onushi zoku o tebiita no dewa arumai na. Samo naku ga kono hirata yashiki na. J'ai l'impression qu'on en apprend un peu plus sur l'histoire là quand même. Hein. Attends, est-ce que... Ouais, non. ではない。あなたは若様の。あ、よかった。忍び殿、賊どもの目的は若様です。あやつらはすでに竹林坂上にいたり、お屋敷に火をかけています。若様の脱出も叶わなかったご様子。お願いです。忍び殿、若様をお救いください。 Merci pour le check de l'heure. Alors, un puissant antidote concocté par le clan de la vallée engloutie soigne l'altération poison et augmente pendant un temps la résistance à l'empoisonnement. D'accord, très bien. C'est des jeux qui sont tellement, mais tellement équilibrés quand même, les jeux From Software, c'est ouf. Hein. C'est vraiment, c'est trop trop bien jaugé, c'est bluffant, c'est énervant presque. Alors là, on a déjà espionné du coup. Alors la seule vraie question qu'on peut se poser c'est est-ce qu'on va devoir tuer tout le monde? Oui, je pense qu'on n'aura pas le choix.
Maintenant, dans quel ordre on les bute? Est-ce que je les tente tout de suite ou pas d'ailleurs? Parce que il me semble qu'on n'a pas tout vu encore. Ah! C'est intéressant ça. Je veux le même slip que lui. Une pagode, c'est quoi déjà? C'est pas un format de maison ou un truc comme ça? Mais il y a trop de choses, mais c'est horrible. Statuette, une figurine de Bouddha enveloppée d'un tissu rouge tenue la main en priant, elle rend une charge de pouvoir de résurrection. Une figure enveloppée. Ah, d'accord, ok. Donc ça nous permet d'avoir une charge de résurrection si jamais on en a plus. Merci pour le check de l'heure. Prochain save, du coup, prochaine mort, on fera le cut. Oui, pour les gens de la VOD YouTube, en fait, je précise c'est parce qu'on a eu un petit souci tout à l'heure, c'est que la VOD a duré 3 plombes, mais surtout vu qu'elle était un peu dense en espace disque. Bah ça a été extrêmement compliqué de la rendre. Alors. J'ai l'impression que je suis dans la zone la plus dure du jeu. Est-ce bien nécessaire? Complètement un poulet là-bas aussi. Je trouve ça pas ouf en vrai hein, de claquer les poulets géants là, c'est pas mon délire. Je fais parce que je sais qu'ils vont me buter en deux sinon, mais. C'est bizarre. Drôle de choix artistique. On est des créatures un peu mystiques, un peu viles. Ouais, mais ça c'est bizarre. Bon, il y a trop de choses à explorer. J'espère vraiment que l'exploration vous gêne pas, parce que là je suis parti pour vraiment regarder les trucs à fond, parce que je vois que les zones à chaque fois elles sont infinies. Ah bah ça y est, d'accord, donc là on a retrouvé la zone du début en fait. Donc là le truc à surtout pas faire, c'est relancer la save. Et là où je suis dégoûté, c'est qu'en fait il y avait un mur invisible et que là on vient de le passer et qu'on vient de se faire avoir. Donc du coup je vais faire ça, je vais faire repérer à tous les coups. Alors on n'ouvre pas de ce côté, par contre je suis sûr qu'on peut l'ouvrir de l'autre du coup. On va voir. Est-ce qu'on peut tenter un cut? Non. D'accord, ouais, en fait, on a fait toute la boucle. Et après, je suis sûr qu'il y a un raccourci. Bah, enfin, voilà, le truc classique des Souls, en fait, où tu peux... Il était joli, ce petit saut, là, en arrière. Tu peux de suite, ouais, tomber des raccourcis, des trucs comme ça. Ah, la musique, ouais, elle me met vraiment en transe. Hein. Je trouve ça ultra fan. Ultra fat, pardon, putain. Je suis ultra fan, je trouve ça ultra fat. On va y arriver. Par contre là j'avance un peu comme un bourrin. Ouh, attends, il y a trop de choses, il y a trop de choses partout, c'est impossible. Là il y a pas d'ennemis à la con. C'est vrai qu'on n'a pas eu trop de... Ah, sucre de Gokan. Réduit les dégâts de posture, d'accord, ok. Ça peut être intéressant sur un boss vénère. Et là donc, du coup, voilà. Tout ça pour ça. On le rappelle, hein, c'est le fonctionnement du level design à la Souls. Pour les gens qui connaissent pas trop la formule From Software, en gros t'as un monde assez immense. Et tu déverrouilles des raccourcis. C'est beaucoup moins labyrinthique. Il y a beaucoup plus d'exploration je trouve, mais c'est beaucoup moins labyrinthique que... Les Souls. C'est plus linéaire en fait que Souls, je trouve. Quel espion du futur, effectivement. Alors du coup la question qui tue c'est... qui, quoi, comment? Ah,
Donc là vous avez vu pourquoi faut pas attaquer comme un bourrin. Merde, je crois que je suis mort pour de vrai par contre. Ah non c'est bon. Voilà. Je crois que c'est la pagode hein. Âge du Shinobi du Saint. Putain, on a récupéré tellement de trucs, mais c'est tellement... L'exploration, elle est tellement intéressante dans ce jeu. Ça met tellement la pile à God of War, où l'exploration, c'est juste des trucs à craft... Enfin, des items de farm, en gros, des collectables à la con qui te donnent de la partie RPG. Là, c'est de l'accessoire, c'est du gameplay, c'est trop cool, je sais pas, ça marche tellement mieux. Puis c'est tellement agréable avec l'aérien en fait, c'est au sol, ça aurait été moins drôle, mais ouais. En raison de son poids, cette hache est bien plus utile pour briser les choses que pour trancher autrefois, c'est apprécié par Shinobi, très bien. Il est... Donc à mettre dans la Shinobi. Ah là 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 là. Ah non, c'est la pagode à 3 étages, vous dites, celle qu'il fallait qu'on fasse. Donc ça, c'était l'objet qu'on nous a dit tout à l'heure. N'oublie pas la hache. Il y a quelqu'un qui nous a parlé d'une hache à un moment, je sais pas si vous en souvenez. Par contre là, ouais, au niveau santé, on commence à douiller un peu. Hein, donc même si on a le raccourci, on va voir, ouais. Donc là, le vrai obstacle, il est par là, en fait. Donc là, on a tout vu. On a vraiment tout vu. Ah, quoique, la pagode à 3 étages, c'est pas ça? Non. Non, non, c'est pas ça. Ah, le level design, franchement, c'est simple, efficace, tranquille. Je valide pas le dialogue. Ah, attends, t'es calme-toi. Merde. C'est pas grave. Merci Kiba, merci. Alors, bouclier, j'aime pas trop. Attends, y'a un ennemi derrière. Ah merde! Je les ai oubliés complètement là. Les genres de ouf. Alors, on va faire le tour par là. J'y arrive pas. Aïe, 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 aïe. Allez, j'ai pas envie de mourir ici. Ok. En fait, je pense que les achèvements, il n'y en a pas beaucoup, effectivement. Mais chaque ennemi a son... Oh, on a... Oh, on a cassé le record. 2115. Vous avez jamais été aussi nombreux sur la chaîne. Bah, bienvenue à vous, bienvenue aux nouvelles personnes. Je sais pas s'il y a des nouveaux parmi vous. Bienvenue à vous. N'hésitez pas à suivre la chaîne si vous voulez voir d'autres lives. Merci Flouflox qui s'est abonné à la chaîne, soyez trop passant. Merci à Kiba également. Je sais pas pourquoi les notifs marchent plus, mais merci beaucoup. Ou alors c'est que je les vois pas parce que je suis trop concentré. Mais ouais, on a claqué le record. Mais merci beaucoup à vous. Bon, faut qu'on fasse la VOD là. Là, il faut qu'on trouve un point de save, s'il vous plaît. Ah mais non, mais quel con, il m'a pas vu. Il est aveugle. Non, c'est trop bien fait. Il voit pas derrière le bouclier. Alors ça, faut avouer que c'est quand même bien fait. C'est le détail qui tue, mais que j'apprécie tout particulièrement. Allez, dis-moi que t'as un point de save ici, là, déconne pas. Déconne pas, il y a un point de save, il le faut, putain! J'en peux plus. C'est moi où j'ai vu un truc là? Mais oui, il y a un truc. Oui, il y a complètement un truc. Il y a
Alors déjà il y a cette zone là. Alors celle-là me semble pas accessible. Même si tout porte à croire que oui mais non. Ah là là. Peut-être qu'il n'entend pas derrière le bouclier, bah oui exactement. Oh là là, les vieux raccourcis. Ah, ah, ah non. Ah non. Oh la mort. Oh, je suis dégoûté. Oh, ça va. J'avoue, j'ai flippé. Là, vous avez eu le râle de quelqu'un qui avait vraiment pas envie de crever, là. Oh, merde. C'est moi où je me fais toper par des conneries. C'est encore un coup de la carpe, ça. Bon, alors par contre, ça devient hardcore, là. Allez! Allez! Oh putain, le chef! Vous l'avez vu là-bas? Il est complètement là. Merde. Merde, 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 merde. Merde, merde. Il est complètement là. Du coup, on a dit que c'était comment? C'est ça? Allez. Si le jeu est bien fait, il ne voit pas. Donc là, on est d'accord qu'on peut y aller. Non. Il y a la terre entière qui nous a entendu, mais on ne pourra pas y aller. Attends, là. Oh, putain. Pense pas à la VOD, hein, ces gens. Voilà, où sont les adversaires? Donc là, le chef, faudrait qu'on arrive à le tèche en lui faisant au moins une attaque à lui en direct, quoi. Ça pue de ouf. Attends, mais ça, c'est furtif ou pas? Oui, c'est furtif. Très bien ça, merci Hante, merci beaucoup. Allez là, putain! On va pas y arriver, ça me stresse. Donc là, on est bien d'accord qu'il y a déjà cet adversaire qui est là. Alors, est-ce qu'on peut l'avoir en mode comme des connards, la furtivité, la vraie? Genre cette furtivité là. Bon, on a déjà été un peu plus furtif que ça. Alors, contrer les estocs. Les estocs ne peuvent être bloqués, mais ils peuvent être déviés. Le contre Mikiri peut également contrer les estocs. D'accord, donc là on sait que c'est mort. Alors on va aller emmerder lui là-bas. C'est bon, il a attaqué de très très loin. Alors lui, vous avez pas vu, c'est pas marqué le miracle. Waouh! C'était pas prévu ça. Alors on pourrait faire face, bien sûr, on va faire face, hein, c'est pas le problème. Laissez-moi juste analyser la situation. Donc un adversaire ici. Et un autre, du coup, en bas. On a tellement de thunes. J'aime bien improviser, hein, c'est pas le problème, mais c'est juste que je veux savoir quand même où je vais. Ah non, là on est dans l'air. Je vais tellement crever. Merci Mibouze. Bon ben voilà. Ah putain, je suis ressuscité. C'est pas fini. C'est pas la fin de la VOD. Ah. Comment on fait déjà? L2. C'est pas la fin de la VOD encore. On est encore bon. On est encore bon. On est encore bon. On est encore bon. Alors attends. On va le faire en deux fois. Attends. Ne vous inquiétez pas. Je sais exactement ce que je fais. C'est pas du tout ça que je voulais faire. C'est pas du tout ça que je voulais faire non plus. C'est pas grave. On sait exactement ce qu'on fait. Alors je vais me soigner peut-être. Ah, je peux pas mettre de boulettes. Alors, ce que vous voyez n'est pas le reflet de la réalité. Mais non, mais! J'aime pas trop. Alors c'est tellement le boss là-bas, je sais pas si vous avez vu la brume. Oh, jeu de merde. Oh là 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 là. On va y arriver, on va y arriver.
Bon, lui il nous a complètement capté, mais c'est l'autre moi que je vois. Voilà, encore une fois on va tenter la gruge. Voilà, ça y est, on y arrive. Alors, maintenant qu'on a fait ça, je veux savoir où il est l'autre. Donc là, on est d'accord que lui, il sait plus où on est. Allez, viens, on est prêt cette fois-ci. Je sens tellement pas son pattern. Je l'aime tellement pas lui. Je comprends pas. Je comprends pas comment on fait pour l'avoir en fait. Je comprends pas. Donc je vois bien l'idée de là on pourrait rusher comme des connards et y aller d'une traite, hein, ça c'est pas un problème. D'ailleurs j'attends toujours la pagode à 5 étages, je pense pas qu'on soit dessus. Peut-être que si. La parade en fait, le truc c'est qu'avec ses attaques je vois pas venir le truc quoi. Moi dans le fond j'aimerais hein, mais le contre-miri je l'ai pas. On a la parade des stocks effectivement, ouais. Le miri on l'a pas, le mikiri pardon on l'a pas, c'est un truc qu'il fallait débloquer tout à l'heure. De toute façon j'ai plus de vie, j'ai plus rien, donc écoutez, la seule chose qu'on va tenter, on va voir. Peut-être la fausse bonne idée, on va voir. Sans que je vais regretter, mais c'est pas grave. Poulette, c'est très bien. Ah d'accord. Il nous a oublié. Il nous a oublié. Désolé, la musique était très forte, ouais. Il nous a full oublié. 2251, continue peut-être le record, c'est génial. Merci beaucoup. Bienvenue à vous. Et bonne soirée. J'ai plus de boulettes. J'ai plus de boulettes. Ah mais si, j'en ai maintenant. C'est quoi cette lumière? C'est rien, t'inquiète. Je m'en veux tellement pour ce qui vient de se passer, si vous saviez. Vraiment, je sais pas. Bon, par acquis de conscience, je veux quand même savoir ce qu'il y a là-dedans, donc on va y aller et puis on va courir là-dedans. Ah bah non. Ah putain. Tant que je l'ai pas tué, je peux pas avancer en fait, c'est ça le milieu. Oh là là. Mais ce combat où j'ai aucune chance. Allez. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bon, c'est difficile. C'est pas grave. On fait la pause ici pour la VOD. Du coup, ouais. Bilan de cette histoire. Donc, lui, il est vénère de ouf. Vraiment. Vraiment vénère de ouf. Le blesser furtivement, je pense que c'est la meilleure chose qu'on pourrait faire. Et apprendre le pattern. Et ça doit bien se passer. Mais ouais, en fait, le truc, c'est qu'il a le coup comme ça, je l'anticipe. Mais alors, le clac et clac, pas du tout. Oh putain, qu'est-ce qui se passe? Trop de surprises dans le jeu. Oh.
目覚めたようじゃな。え?因果よの。なかなかに死にきれぬようじゃ。 Une toux douloureuse retentit quelque part. L'homme qui tous sculpte sans relâche des statues de Bouddha pour ne pas être brûlé par les flammes. Posséder cet objet réduit les chances de profiter de l'aide divine. La personne qui tous est une femme âgée qui s'inquiète pour son maître. Posséder cet objet réduit les chances de... Ok, d'accord. Plus celui qui possède l'héritage du dragon perd la vie, plus la maladie... Nommé peste du dragon se répand dans le monde. Si quelqu'un que connaît Lou tous, il est sûrement atteint de la peste du dragon. Plus votre essence de peste est élevée, moins vous avez de chances de profiter de l'aide divine. D'accord. Par contre, j'ai perdu masse de thunes là. Donc, si je comprends bien, en fait, là, du coup, on a claqué la chance qu'on avait de revenir. Peut-être que le souvenir, on n'avait qu'une seule chance de le tenter. Non, mais non, c'est impossible. C'est impossible. Mais ce qui pourrait expliquer une chose, c'est qu'en fait, peut-être que ce mob-là avec la lance était trop dur pour nous, quoi qu'il arrive. Après, les vrais arriveront à le tuer, mais peut-être que c'était fait exprès que ce soit un peu dur pour nous. Et qu'en fait, du coup, on reviendra dans le souvenir, mais beaucoup plus fort. Et donc, on pourra plus facilement en découdre avec lui. C'est possible. C'est chaud, hein. C'est super chaud. Bon, allez, sur ce, on fait la petite pause ici, du coup, pour la VOD. Merci à vous d'avoir suivi tout ça. J'espère que ça vous a plu. Désolé, c'est encore une fois extrêmement long. Et pour les gens, du coup, qui voient ça en live, ne quittez pas. On revient dans quelques instants. Là, il n'y a pas de pause. Hein, donc, juste, je cut la VOD et c'est bon. Allez, à tout de suite.